Good morning, good friends. I seek your apology to permit me to speak first of all in French, and after I will answer your question, if you have, in English. Mesdames et messieurs, le Conseil de sécurité vient d'adopter ce matin par 13 voix pour et 2 abstentions sa résolution 26-54 relative à la question du Sahara marocain et prorogeant le mandat de la MINURSO d'une année. Cette nouvelle résolution réaffirme la position constante du Conseil de sécurité et à travers lui la communauté internationale selon laquelle la solution à ce différend régional doit être politique, réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis. Cette corroboration de la position du Conseil de sécurité, qui ne souffre d'aucune ambiguïté, rejoint la conviction du secrétaire général des Nations Unies dans son dernier rapport au Conseil de sécurité en appelant à ce que le règlement de cette question se base sur les résolutions du Conseil de sécurité. Par ailleurs, la 26-54 consacre de manière irréversible, à l'instar des résolutions du Conseil depuis 2007, la prééminence, la crédibilité et le sérieux de l'initiative d'autonomie marocaine en tant que seule et unique solution à ce différend régional dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité du Royaume. En ce faisant, le Conseil de sécurité a conforté le soutien massif de la communauté internationale en faveur de l'initiative d'autonomie marocaine. Ce soutien s'est traduit par l'expression d'appui fort et clair et officiel de plus de 90 pays en sa faveur et surtout l'ouverture par 30 autres pays de consulats généraux à Laayoune et à Dakhla, en confirmation de la marocanité du Sahara. S'agissant de l'Algérie, le Conseil de sécurité a scellé, une fois de plus, son statut de partie prenante principale, en lui enjoignant de coopérer et de s'engager avec le secrétaire général des Nations Unies dans le cadre du processus des tables rondes dans un esprit de compromis et de réalisme, et ce, jusqu'à l'aboutissement de ce processus. En outre, le Conseil de sécurité a félicité le Royaume pour ses efforts et ses réalisations dans la promotion et la protection des droits de l'homme dans ses provinces sahariennes. Enfin, et comme vous l'avez sûrement remarqué, la 26-54 n'est pas une résolution bis repetita des textes des années précédentes. C'est une résolution qui se distingue par 4 nouvelles dispositions que le Conseil de sécurité considère comme étant fondamentales pour le processus politique. En l'occurrence, 1. Le Conseil de sécurité demande à l'Algérie en tant que partie prenante dans ce conflit de développer et d'exposer sa position sur la question du Sahara afin d'avancer vers la solution de ce problème. Cette demande rejoint l'appel du secrétaire général aux 4 parties, l'Algérie compris, bien évidemment, dans son dernier rapport au Conseil de sécurité, en leur demandant de faire preuve de flexibilité, de réalisme et de s'abstenir de toute condition préalable à ce processus. 2. Le Conseil de sécurité tense le groupe séparatiste armé, le Polisario, de mettre fin à ses obstructions à la liberté de mouvement de la MINURSO dans sa zone de mission et de cesser ses obstacles à la circulation des convois de réapprovisionnement de ses observateurs.
Ces actes irresponsables, condamnables, suscitent, comme vous pouvez le comprendre, les plus vives préoccupations des membres du Conseil de sécurité à cet égard. 3. Le Conseil de sécurité demande aux organisations humanitaires internationales de s'assurer que l'acheminement de l'assistance alimentaire aux populations séquestrées des camps de Tindouf soit effectué conformément aux bonnes pratiques des Nations Unies. En ce faisant, le Conseil de sécurité a estimé important d'insister sur cette exigence afin que cesse le détournement de l'assistance humanitaire par le groupe séparatiste armé le Polisario et le Croissant Rouge algérien. Détournement confirmé par ailleurs dans plusieurs rapports du Haut Commissariat aux réfugiés, le Bureau des fraudes de l'Union européenne et plusieurs ONG humanitaires. 4. Dernièrement, le Conseil de sécurité demande à ce que tous les efforts soient entrepris afin de procéder à l'enregistrement des populations des camps de Tindouf. Cette demande insistante traduit l'exaspération du Conseil de sécurité à l'égard du refus du pays hôte, l'Algérie, de permettre au Haut Commissariat de procéder à l'enregistrement de ces populations. Et ce refus, je voudrais le rappeler, dure depuis près d'un quart de siècle. Ceci dit, je suis à votre disposition maintenant. I will give you the text in English. Don't worry. The full text will be sent to you in English. Monsieur l'ambassadeur, l'envoyé spécial dit avoir rencontré la société civile à Tindouf. Existe-t-il une société civile dans les camps réfugiés? C'est une question fort pertinente. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais juste dire que normalement, une société civile est une association de personnes qui sont unies par des valeurs, par des principes universels et qui œuvrent soit dans le domaine social, culturel, économique, protection de l'enfance, scolarisation. Or, comme vous le savez, Tindouf sont des camps de réfugiés, là où les populations sont séquestrées. Et c'est la première fois que nous entendons qu'il y a une société civile dans les camps de Tindouf. Cette question, nous l'avons soulevée avec le secrétariat en faisant le parallèle avec ce qui se passe à Tindouf et dans les autres camps de réfugiés dans le monde. Dans aucun camp de réfugiés dans le monde, il n'y a de société civile. D'accord ? Et lorsque nous avons discuté avec le secrétariat, nous leur avons apporté la preuve que le Polisario interdit toute société civile. Et nous leur avons présenté les textes de soi-disant constitution de la chimérique République sahraoui qui dit expressément dans son article, si ma mémoire est bonne, 31, qu'il n'y a pas de société civile et que la société civile sera créée après l'utopique indépendance. Donc, maintenant, il n'y a que des organisations de masse derrière le Polisario. L'article 32 également confirme que c'est le Polisario qui représente les jeunes, qui représente les femmes et qui mobilise et qui galvanise la population. Il y a une négation de société civile dans ces camps. Le secrétariat, malheureusement, n'était pas au courant qu'il y avait des textes fondateurs de groupes séparatistes armés qui interdisent la société civile. Et je voudrais juste conclure sur cette question que même durant la guerre froide, les régimes autoritaires comme l'ex-URSS ou bien l'ex-RDA ou bien actuellement la République démocratique de Corée, dans leur constitution, ils disent qu'il y a la société civile, mais sur le terrain, il n'y a pas de société civile. Dans les camps de Tindouf, ils disent qu'il ne doit pas y avoir de société civile, c'est-à-dire qu'ils sont pires que les régimes autoritaires et que juste ils veulent présenter les jeunes qu'ils ont comme des personnes qui représentent la société civile. Je voudrais juste vous montrer lorsque la société civile soi-disant société civile avait reçu la délégation à Tindouf. Et nous avons montré cette photo. Voilà la société civile.
Il y a Sidi Adda Him, fils de ministre. Bilal Habib Rika, fils de ministre. Fouad Berri, fils de l'ancien interprète Polisario et chef du protocole. Donc c'est ça la société civile. C'est les fils de l'oligarchie du Polisario. Et c'est cette société civile, soi-disant société civile, qui a rencontré le secrétariat, enfin la délégation de l'ONU. Voilà. S'il vous plaît. Juste une petite question sur l'envoyé spécial du secrétaire général, M. Staffan de Mistura. Comment voyez-vous son rôle dans l'étape prochaine et qu'est-ce que vous attendez de lui? D'abord, merci. Nous attendons de lui à ce qu'il mette en œuvre la résolution, toutes les résolutions qui ont été adoptées depuis 2018. Et c'est ce qu'a dit le secrétaire général dans son dernier rapport. Nous venons d'adopter une nouvelle résolution, la 2654, qui demande à toutes les parties d'exposer, et quand on dit toutes les parties, l'Algérie y compris, d'exposer et de clarifier sa position sur la question du Sahara afin d'avancer vers la solution de ce problème. Donc nous attendons de lui qu'il reprenne son bâton de pèlerin, de facilitateur, et qu'il essaie d'organiser les tables rondes dans le meilleur délai possible pour notre part, et comme cela a été reflété dans le rapport du secrétaire général, nous l'avons dit clairement, nous sommes en faveur de la reprise du processus politique, nous sommes en faveur de retour à la table ronde, et nous sommes prêts à discuter de la solution qui pour nous demeure et sera l'unique et seule, c'est-à-dire l'autonomie dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des royaumes, s'il vous plaît. Monsieur l'ambassadeur, que pensez-vous de l'abstention de la Russie lors de la résolution? Nous aurions souhaité que la Russie rejoigne en quelque sorte le consensus. Malheureusement, depuis 4 ans, la Russie a changé de position. Nous respectons, nous sommes en désaccord avec la Russie sur son interprétation de son abstention, mais nous respectons cette position. Et comme j'ai répondu, je crois, il y a 4 ans, lorsque la Russie a commencé à s'abstenir sur la résolution, parce qu'auparavant, ils votaient en faveur de la résolution, je leur ai dit, ce qui reste, c'est le texte, c'est la résolution. Personne ne se rappellera qui a voté pour, qui a voté contre. Ça, on le laisse pour les chercheurs, pour les historiens. Peut-être qu'ils trouveront des explications dans le discours de la Russie, mais pour nous, l'important, c'est qu'il y a une résolution. Ils sont prêts à travailler avec le secrétaire général, son envoyé personnel, et avec les autres parties pour la mettre en œuvre dans les meilleurs délais possibles. S'il vous plaît. Thank you, Mr. Ambassador. Coming to you later. Algeria is challenging now the accusations laid by Morocco, by you, in this specific spot. Me? Yes. Yes. that the Polisario is recruiting child soldiers. Do you have any reactions on their recent challenge? First of all, nor Morocco, neither me, will never shy out from challenging. And we are, my answer will be in 3 questions. That's my way to challenge also. First of all, Algeria didn't challenge the veracity and the authenticity of the photos we show of recruitment and training, military training of children. And I remember I have shown these photos and Algeria abstained of contesting or claiming that they are fake. You see, these photos have been presented last year, and Algeria didn't say anything. The flag of Polisario is here. This young boy had rifle. The flag is of the Polisario. So Algeria didn't challenge these photos because they did it once, and they failed because when we showed the photo of one so-called militant of human rights with the Kalashnikov and the military general, they said that it was faked, but unfortunately the special rapporteur on human rights defenders said this photo is authentic and this Kalashnikov is authentic.
And the situation here, and you can see the flag of Polisario and the soldiers are authentic. And so based on that, they decide to withdraw the name of this person from the list to be defended by the United Nations High Commission of Human Rights. That's my first reaction. Second answer, second question, if they believe that there is no recruitment, it's very easy. They just have to invite Mrs. Gamba, Virginia Gamba, the personal representative of the Secretary General on Children and Armed Conflict, to visit the camps, but in condition to let her speaking with children and with their parents without the presence of any Polisario. Third question to Algeria. They have just to tell us how many children are in the camps, how many schools are in the camps. The world should know. And this will not be possible without a real registration and real census by the HCR. This is my way of challenging the challenger. May I have a follow-up? Well, please. Yes, my good friend from South Africa. Hi, Ambassador. Thank you. Yes, welcome. Can you come a little closer with the mic? Your response or reaction to the Kenyan ambassador's statement in the council a short time ago. Ambassador Kimani said the following: unfortunately, progress has been limited. This resolution continues a gradual but noticeable shift away from the mandate and will not assist the parties to achieve a just, lasting, and mutually acceptable political solution. He raises concern that we're moving further away from the self-determination of the Western, the Sahrawi and Western Sahara and a referendum, Ambassador. What's your response to Kenya? I don't want to go in any polemic with my dear colleague Martin. All I say is that what the history will remind is the text. And this text is not different of the previous text that he voted in favor last year. So I let him with his explanation. We took notes, but the important is that everybody is happy with that, with this text, and we will work on this new resolution. Yes, David, please. Thank you. How is this resolution going to lead to progress when there really has been no substantive progress in decades in solving the issue of Western Sahara? I understand your impatience and your need for progress, and we are all. We share your concern and we share your expectations. But I just want to remind you that there was progress under the facilitation of former President Hans Koller, Horst Koller. We had two very fruitful and positive and substantial roundtables. Why we had that? Because Algeria was around the table, but because we had very deep discussion on the autonomy, on the guarantees, on the need for Polisario to disarm and to accept the autonomy, and also on the elections, everything. We discussed all this. Unfortunately, he was obliged to quit because of personal reason and his health. Now we have full confidence in Mr. De Mistura's leadership. He has the expertise, he has the experience of so many conflicts, more complex than that. Ours, Afghanistan, Rwanda, Syria, and he benefited of the confidence of the Secretary General and the members of the Security Council. Everybody here and during the consultations, private consultation, expressed support to him and calling him to go forward and to start organizing the meetings. We hope that he will succeed in calling for another round table, and they will conclude on this. Why there is no progress? It's because the main party, Algeria, refused to go back to. We lost 1 year since Mr. De Mistura was
appointed. And since 1 year, Mr. De Mistura was discussing and visiting Algeria twice, but we were saying no, we are not going back to the round tables. And he cannot, of course, oblige them, but this new resolution is an answer to the Algerian and with the new call to Algeria to develop and to clarify its position to help going to the toward the solution. Let's hope that the wisdom will prevail in Algeria and we can come back to the round table, because there will be no solution without discussing all together and having compromise on the initiative of autonomy by Morocco. Please. شكرا. قائمة الدول التي تدعم جبهة البوليزارو في حق تقرير مصيرها طويلة وعريضة من أمريكا الجنوبية إلى إفريقيا، حتى أن جبهة البوليزارو عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي مثلها مثل العديد من الدول. الآن السؤال، لماذا في كل خطاباتكم وتدخلاتكم تتهمون الجزائر، حتى أنه اليوم في مداخلتكم ذكرتم الجزائر أكثر من ذكر جبهة البوليزارو التي هي الطرف الآخر الأساسي؟ لماذا تخصيص اتهامات الجزائر؟ شكرا. ممكن تتفضل تذكر اسمك وتمثل اي جهه؟ سكاي نيوز عربيه. سكاي نيوز عربيه تتكلم باسم الجزائر، تدافع عن الجزائر الان. هذا لا، ولكن انت تمثل، لا عندك حق اخلاقيا اسال اي سؤال. اخلاقيا سكاي نيوز هي التي تؤدي لك ثمن، هي التي تؤدي العمر. انا سوف اجاوبك. لماذا تكلمت عن الجزائر؟ لأن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي خلقت البوليزاريو وسلحته ودعمته دبلوماسيا، وهي التي غير هذه السنة يعني خصصت 6 ملايين دولار لللوبينج من أجل البوليزاريو. من أين تأتي شرذمة البوليزاريو بأسلحتها؟ من تندوف. أين توجد الجمهورية المزعومة؟ في تندوف. أين يوجد المسؤولين تاع البوليزاريو؟ في تندوف. من يؤدي الثمن ديال التذاكر تاعهم، الأوتيل تاعهم، الأصفار تاعهم، السيجارات بتاعهم؟ في تندوف. الجزائر، الجزائر هي التي خلقت البوليزاريو وهي التي تموله وهي التي الآن تدافع عليه. وأنا لا لا، إفريقيا سيقف هنا مع الدعم السياسي. الدعم السياسي شيء، احنا لا نقول الجزائر ما عندهاش الحق تتكلم على تقرير المصير، ما فيش، هذا مبدا، كما نحن كذلك ندافع على تقرير المصير في جميع انحاء العالم. ولكن لما الجزائر تؤدي ثمن الاسلحه، ثمن الاوتيلات، ثمن اللوبيات، ثمن المظاهرات في اوروبا، ثمن المجموعات الضغط، من يؤديها؟ الدولارات ديال الجزائر. لذا نتوجه للجزائر. وطبعا طاولة المستديرة تكلمت على الدور الجزائري. الآن مجلس الأمن يطلب من الجزائر أن توضح موقفها لكي نمشي سوا من أجل تسوية هذا الموضوع. شكرا حبيبي، تفضل. Souligne que les obstructions de Polisario menacent certains team sites de la Minorso. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est grave. La menace de team sites à les observateurs des Nations Unies, de la Minorso, est une grave erreur de la part du Polisario. C'est ce que les membres du Conseil de sécurité ont exprimé lors des consultations privées. Et c'est ce qui figure d'ailleurs, c'est un élément nouveau dans le. La nouvelle résolution qui demande au Polisario de cesser ces obstacles et ces obstructions. Le Polisario recourt au chantage de la faim et de la soif. Et ça, c'est inadmissible. Ça me rappelle en quelque sorte les groupes armés dans certains pays du Sahel. Ils commencent à faire des manifestations devant... pour empêcher la circulation des forces de maintien de la paix dans ces pays. Après, ils leur jettent des pierres, après, ils leur tirent dessus, après, ils mettent des bombes sur les routes, et après, nous avons des victimes des forces des Nations Unies. Ben, le Polisario est pratiquement en train de commettre les mêmes erreurs que les groupes extrémistes Daesh et Al-Qaïda au Sahel.
S'agissant du Maroc, nous avons coopéré avec les Nations Unies et les Nations Unies le reconnaissent dans le rapport du secrétaire général et dans des échanges de lettres que nous avons fait de notre mieux pour assurer la protection et garantir le réapprovisionnement de ces observateurs. Mais si peut-être vous avez également entendu que le représentant spécial du secrétaire général, M. Ivanko, a menacé, a dit que si ces obstacles persistent, ben, les Nations Unies n'auront d'autre choix que de retirer les team sites et les observateurs. Et si ces team sites et ces observateurs se retirent, ben, ça va créer une nouvelle situation sur le terrain. Dans ce cas-là, le Royaume du Maroc serait en droit de revenir à la situation hantée, juridiquement et spatiale sur le terrain. Je voudrais ici rappeler, et je vous remercie pour votre question, que trois jours avant le cessez-le-feu, en 1991, Feu Sa Majesté Hassan II a adressé une lettre au secrétaire général de l'époque, M. Pérez de Cuellar, l'informant que, après le retrait des forces royales marocaines de cette zone pour la remettre aux Nations Unies, un groupe de blindés est entré au Sahara. Il lui a signalé cette intrusion, lui a demandé de tout faire pour qu'il se retire, et en responsabilisant les Nations Unies. Le Maroc n'a pas voulu, à ce moment-là, créer problème à cause des échéances qui allaient venir, et surtout dans un geste de bonne volonté. Si maintenant les Nations Unies se retirent, le Maroc serait en droit de reprendre les terres, ou plutôt la partie du Sahara qui a été remise à la MINURSO. Et à ce moment-là, ça créerait une nouvelle situation. De toutes les façons, nous espérons que la sagesse là également l'emporterait, que la résolution du Conseil de sécurité convaincrait le Polisario et l'Algérie pour que la MINURSO ne fasse plus l'objet de tel chantage de la part de ce groupuscule. S'il vous plaît. Abdoulaye Messi, journaliste accrédité au sein de l'ONU. Monsieur l'ambassadeur, j'ai deux questions. La première, le Polisario a annoncé qu'elle disposait de drones qu'elle comptait utiliser. Quelle est votre réaction? La deuxième... Je réponds comme ça. Ça reste clair. S'agissant de l'annonce par le Polisario qu'il dispose de drones, ben, c'est un développement gravissime. J'espère que c'est juste la propagande, la désinformation, comme nous en avons l'habitude de ce côté de Tindouf. Mais si cela s'avère vrai, je crois qu'il y a trois explications à donner, ou bien ça signifie qu'il y a des développements à trois niveaux. Il y a une explication sur le plan géopolitique. Si cela s'avère vrai, ça veut dire que nous avions raison depuis 2 ans en disant, en alertant que l'Iran et le Hezbollah sont en train de s'infiltrer à Tindouf et en Afrique du Nord. Ils sont maintenant passés pratiquement de la formation à l'équipement de Polisario avec des drones. Et ça, c'est très grave. Cela nous donne raison et j'espère que le monde entier sache que, après avoir déstabilisé le Yémen, la Syrie, l'Irak, ils sont en train de déstabiliser notre région. Et ça serait gravissime, pas seulement pour le Maroc, mais pour l'ensemble des pays de la région. Deuxième explication, deuxième réaction, c'est que ça va être un game changer sur le plan militaire. Et le Maroc réagira en conséquence. Ils savent que lorsque le Maroc décide de réagir, il réagit de manière appropriée. Je ne veux pas développer sur ça, je laisse ça aux autorités militaires de mon pays. Troisièmement, ça pose un problème moral. Parce qu'au moment où, dans la résolution, on demande aux organisations internationales d'augmenter leur contribution, au moment où le représentant des Nations Unies à Alger parle de risque de famine, au moment où le Polisario se plaint qu'il y a malnutrition, qu'il y a dystérie, qu'il n'y a plus de stylos, ni de feuilles, ni d'ardoises pour les études, il se targue d'avoir
des drones qu'ils peuvent utiliser. Et prévoyant vos pareilles questions, je voudrais juste ici montrer le drone dont il parle. J'espère que celui-là, c'est le bas de gamme des drones iraniens qui coûtent entre 20 000 et 22 000 dollars. Ces drones, voilà qu'est-ce que ça peut nourrir. Acheter un drone, c'est pratiquement l'égal des rations alimentaires pour 300 personnes pendant une année. Voilà le coût d'un drone. La communauté internationale doit choisir. Le coût d'un drone, c'est également des services médicaux pour 500 personnes pendant un an. Le coût d'un drone, c'est la scolarisation annuelle pour 120 enfants. D'un côté, il y a ceux qui disent qu'il y a famine, qu'il y a dystérie, qu'il y a malnutrition. Et de l'autre côté, il y a ceux qui se targuent de disposer et de posséder des drones. Qu'ils nous disent que ce n'est pas vrai. Voilà. S'il vous plaît. Merci, monsieur l'ambassadeur, pour ce point de presse. Sa Majesté Mohamed VI, le roi Mohamed VI, a déclaré le 20 août 2022 que dorénavant, le Maroc envisagerait, considérerait son environnement international à partir du prisme du Sahara. D'après vous, quelle est la signification de ce message? Ensuite, est-ce que vous pensez qu'à la lumière de ce message, certains pays en Europe, de l'Union européenne, vont reconsidérer leur dossier et appuyer la proposition marocaine concernant l'autonomie du Sahara? Merci pour votre question. Je crois que Sa Majesté le Roi a été très clair. Les relations du Maroc, du Royaume, avec les autres pays se mesurent maintenant à l'aune de leur positionnement au sujet de la question du Sahara marocain. Tout simplement parce qu'il n'y a pas le Maroc et le Sahara marocain. Il n'y a qu'un seul royaume avec son Sahara compris. Et ce qui touche la Youn ou Dakhlas touche également Rabat, Marrakech, Fès ou Tanger. Donc il n'y a pas de séparation. Tous ceux qui, comme l'a dit d'ailleurs mon ministre juste la semaine dernière, ceux qui laissent leur capitale, leur pays, adopter des positions hostiles, agressives à l'égard du Maroc, mais en même temps ils viennent faire des affaires au Maroc. Ce temps a changé. Le Maroc a changé. Et la communauté internationale et tous ceux qui veulent avoir de bonnes relations avec le Royaume du Maroc, ils doivent prendre en considération ses intérêts supérieurs. Et la cause du Sahara est au top des intérêts supérieurs du Royaume. Vous avez parlé des pays européens. Il y a déjà 11 pays européens qui se sont exprimés ouvertement, fort et franchement en faveur de l'autonomie en tant que base et en tant que solution à ce différend. Nous comprenons que cela provoque l'ire de l'Algérie, mais nous n'y pouvons rien. Maintenant, les pays sont à la recherche de solutions réaliste, comme le demande la résolution du Conseil de sécurité, solution pragmatique, solution basée sur le compromis et qui soit mutuellement acceptable. Et c'est ce que nous cherchons, c'est ce sur lequel nous allons travailler ensemble avec M. Demistura et les autres parties, mais également avec l'appui de la communauté internationale. Il y a maintenant une sorte d'alliance internationale en faveur de l'autonomie. Il va en grandissant aussi bien dans les capitales que dans les consulats qui sont ouverts à Dakhla et à Laayoune. Je vous remercie, s'il vous plaît. Since his appointment, Mr. Demistura hasn't been to the territories 1 year ago. Does he have to fulfill any conditions to visit the Western Sahara? We told him that he is free to come. He will be welcome to come to the Sahara. Even the last time when he visited Morocco, I think, on July. We told him he's welcome to the Sahara and anytime, no problem. Please, the second question you wanted to raise. Le rapport de ce secrétaire général mentionne certaines allégations au sujet des détenus de Gdimizik. C'est une question qui n'est pas récente, évidemment. Que vous avez à dire pour ce sujet-là?
C'est vrai, une fois de plus, tous ceux qui sont payés par l'Algérie, tous ceux qui sont, que l'Algérie abrite dans les camps de Tindouf ou dans la capitale Alger, dans les hôtels algérois, de temps en temps fomentent des campagnes de désinformation au sujet de prisonniers de Gdemzik. Les prisonniers de Gdemzik, tout d'abord, sont des prisonniers qui ont des personnes qui ont commis des actes barbares à l'égard des forces de l'ordre. Il y a eu 11 morts, 11 victimes, shuhada. Il y avait 158 blessés, dont certains traînent encore des incapacités à vie. Ces prisonniers ont eu un procès équitable, transparent, clair, en présence des observateurs internationaux et locaux et en présence de leurs avocats. Ces prisonniers sont traités comme n'importe quel, le reste de la population carcérale au Maroc. Ils bénéficient des soins de santé, bénéficient de pouvoir étudier. Ils ont la télévision, ils ont le téléphone fixe, ils ont droit aux visites familiales. Et de temps en temps, on entend parler qu'ils font la grève de la faim. Mais on entend la grève de la faim qu'à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de grève de la faim. Ils sont traités de manière digne et respectueuse, parce que ça fait partie de nos valeurs, de nos principes, de nos engagements internationaux pour protéger même les criminels, même les terroristes dans les prisons. Mais il ne faudrait pas que la propagande occulte l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est les victimes. Parce que nous sommes en train, le rapport parfois, à cause des allégations, se focalise sur la situation des prisonniers qui sont en vie. Mais est-ce qu'on pense une seule seconde à ceux qui ont perdu la vie, à ceux qu'on a égorgés, à ceux qu'on a déshumanisés? Est-ce qu'on pense aux parents, le père de ces forces de l'ordre, leurs enfants, leurs veuves? Personne. Et pourtant, leurs familles font preuve d'une dignité exemplaire. Ils ne veulent pas la politisation. Ils sont très dignes, sont très humbles et veulent juste qu'ils se disent « justice a été faite », mais maintenant, eux, ils vivent dans le deuil, dans la douleur, dans la privation. Et je voudrais ici ajouter que les procédés qui ont été utilisés par ces soi-disant prisonniers de Gdemzik, c'est des procédés qui ont précédé en quelque sorte ceux de Daesh et de Al-Qaïda, parce que égorger un élément de force de l'ordre, le déshumaniser, c'est ce qu'a fait Daesh en Irak, en Syrie et également en Libye et au Sahel. Ils étaient les précurseurs. Mais malgré tout cela, ils sont traités dignement, parce que ce sont des êtres humains. Et le Maroc ne se départira jamais de ses valeurs humaines, universelles et humanistes. Ouais. Dernière question, madame. Thank you, Mr. Ambassador. Could you please, how could you explain current situation about the autonomy initiative? Do you get enough international autonomy initiative? Autonomy plan. Yes. Do you get enough international support about it? As I have expressed in my preliminary declaration, the autonomy plan is enjoying a large support internationally. We have more than 90 countries that have expressed here in the Fourth Committee, in the General Assembly, in the Security Council, that they expressed their support to this autonomy plan as a solution to this regional conflict between Morocco and Algeria. We have already 30 consulates that have been opened in Laayoune, Dakhla, that 30 countries that opened their respective consulates. Why the international community is now in favor of it? Because it's the only way to solve this problem, based on compromise, the only way to avoid of hijacking the development of the region and the integration of the Maghreb, is the only way to conciliate the neighboring country, Morocco, Algeria, and Algeria. And also because the autonomy plan, we should never forget that, have been able to solve many conflicts all around the world.
You know how many autonomy plans are implemented successfully in the world? 38 autonomy plans in 29 countries all around the world. And they are working well. They are bringing peace. They are bringing reconciliation. They are permitting to the people to manage their daily affairs. And the autonomy plan that Morocco is offering will have their own executive organ. We will have their own parliamentarian institution. They will have their judiciary system. They will have the ownership of the natural resources. They will have the protection of their cultural identity. So it's freedom, development, prosperity, inclusivity, and capacity of building better future, especially for those who are in Tindouf camps, who are living in dire situation and desperate situation in the desert of Algeria since almost half century. I understand that you may have another question. It's okay? You're good. Thank you very much for your questions. Yeah. Oh, d'accord. Il y a une guerre au Sahara, alors que la résolution qui vient d'être adoptée par le Conseil de sécurité n'en fait aucune mention. Comment expliquez-vous ça? Ah, comment expliquer ça, cela? La résolution du Conseil de sécurité, comme vous dites, ne dit rien sur soi-disant de guerre au Sahara. Donc, il n'y a rien à dire. Et je voudrais vous inviter à réfléchir sur nous, Arabes, on dit As-Sukutu min alamat ar-rida. Le silence est synonyme d'approbation. Ça veut dire l'approbation de la situation telle qu'elle est. Mais nous, Africains également, il y a un proverbe très éloquent qui dit il y a des silences qui parlent. Voilà ma réponse. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much.